Bonjour la famille, bonjour, c'est Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Jasmine. D'accord, je vais vous expliquer rapidement. Donc voilà le cours Jasmine, je l'ai pris en weekly. Ok, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici une hausse, un gros retracement ici. Après un listing, forcément un gros retracement. Ça, c'est quoi? On appelle ça, comme je vous l'ai déjà présenté sur plusieurs vidéos, ça, c'est un price delivery. Ok, un price delivery, c'est quand le prix délivre rapidement. D'accord? Quand le prix est délivré rapidement, soit à la baisse, soit à la hausse. OK? Donc là, vous avez un price delivery sur Jasmine. Donc vous le voyez ici. Donc il a été comblé sur cette hausse-là partiellement. Donc si on prend ici ce price, il a été comblé ici partiellement. OK? Jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Il reste ici quoi? Ben, une partie qui n'a pas été comblée totalement. Ce mouvement qui a été effectué ici, ça s'appelle un inducement. ID, je l'ai écrit là. C'est un inducement, c'est une incitation acheteuse. Donc on incite à acheter, mais la tendance est baissière pour continuer à baisser. Cet inducement est de la liquidité en attente, donc elle doit être prise. Donc je vais vous faire un calcul vite fait. Si par exemple j'achète en spot, je ne vais pas tenter en futur bien sûr, en spot, si je prends en spot, au prix actuel par exemple. Et on va chercher ici juste l'inducement ici. Vous avez 1 fois 70. D'accord? Pour votre information. Ici, j'ai quoi? J'ai un déséquilibre de marché. C'est du weekly, donc ça reste puissant. Ici, regardez. Clac. Voilà. On peut targeter. Ça, c'est les niveaux de target. Donc, on peut targeter ce niveau-là. Donc, si on va aller chercher ici, au-dessus de l'inducement, et on va targeter ce niveau-là, ça nous fait quoi? Un pratiquement 1 fois 200 au prix actuel. Donc avec 100 dollars que vous multipliez par 200, okay, vous rajoutez 2 zéros, donc ça fait 10 000, ça fait 20 000. Ça veut dire qu'avec 100 dollars ici, aujourd'hui, je peux potentiellement espérer faire un gain, d'accord, de 100 dollars à 20 000 dollars. Ok, voilà pour votre information. C'est pour ça que je vous le partage. Si ça vous intéresse, bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste quelqu'un qui partage l'analyse sur cet actif-là. Ok, je vous incite en rien. Mais il y a un beau spot technique à effectuer. Donc la zone ici, regardez, il y a un déséquilibre. C'est un price delivery. Moi, personnellement, je sais avec mon expérience que quand on a un price delivery, il doit être comblé totalement. On appelle ça également, comme je vous l'ai dit, liquidité void. Donc le prix a été délivré. Là, on a un inducement, je sais techniquement que c'est de la liquidité en attente. Le prix est passé en dessous ici. Donc il a fait ici un beau low low. Donc un plus bas, un beau low low ici. Donc il y a pour moi un potentiel sur cet actif. Il y en a qui vont me dire oui, mais peut-être l'actif il est mort et tout ça. Moi je dis techniquement ce qu'il y a. Ok, on va pas au niveau fondamental. Je sais que c'est comme le Bitcoin, c'est le Bitcoin des Japonais. Ok. Donc, je sais qu'il y a un niveau du supply, il y a beaucoup de jetons et tout, mais potentiellement, techniquement, il y a le spot technique. OK? Donc, risquer 100 dollars pour aller prendre 20 000 dollars, personnellement, moi, je le tente. Après, c'est à vous de choisir. D'accord? Vous êtes libre de vos actions, vous êtes des grands, des adultes et tout ça. Moi, je vous partage ce spot technique que j'ai partagé également sur Twitter. OK? Voilà. Donc, personnellement, moi, je le tentais, bien sûr. Moi, je suis rentré au plus bas ici pour votre information et j'ai ma position au plus bas. Et je vais holder en spot. Je ne prends pas de risque. Je vais en spot. Et on va aller chercher le target en haut, pourquoi pas. OK? Donc là, un beau petit 200%. Ce serait pas mal. Et en même temps, ça ferait plaisir à tout le monde si la personne le tente. Au niveau technique, on a quoi? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord analysé où il y a de la liquidité. Donc, c'est la liquidité qui m'intéresse. Si on utilise par exemple notre Fibonacci du plus bas au plus haut, ici je suis en logarithmique. Hein. Donc en logarithmique, ici on va prendre ici par rapport à cette structure, par rapport à ce plus haut ici. Donc si ce n'est pas en logarithmique, mon 50% il est ici, mon équilibrium il est à 1,54$. Donc si je prends ici toute la structure du plus haut au plus bas, donc du high high au low low, mon équilibrium il est à 202,53 dollars. Donc je vais le marquer ici, hop, on va le marquer là. Donc là on est en full discount.
C'est juste ça que je veux. Donc ça, c'est l'équilibrium majeur. Donc on est en full discount. On est en discount. Si par hasard, l'actif pousse, pousse, pousse et va rechercher la zone premium, eh ben, il y a un x700 à aller chercher. Allez, juste l'entrée, x500. Ok? C'est pour ça que là, c'est un investissement, un risque réduit pour un gain potentiel magistral. D'accord? Ça veut dire juste avec 100 dollars de risque que vous pouvez dépenser dans une paire de baskets ou n'importe quoi ou dans un resto, pourquoi pas prendre 100 dollars de Jasmine? Et si potentiellement il revient juste en zone premium, vous faites un fois 500. Donc ça veut dire que vos 100 dollars sont susceptibles de se transformer. D'accord? Vous rajoutez 2 zéros. D'accord? Ça fait 10 000. Fois 5, 50 000. Donc 100 dollars peuvent se transformer en 50 000 dollars. Je vous incite à rien, je vous montre juste le spot technique qu'il y a et le potentiel qu'il y a. OK? Liquidité, price, inducement, liquidité, inducement. On peut même viser ce premier inducement, regardez. On peut même viser ce premier inducement. Ça, c'est un inducement. Donc, si on veut, on peut viser juste ça. Regardez. Premier niveau, fois 10. Deuxième niveau, fois 60. Fois 67. L'idéal, le en haut, pour ceux qui veulent, fois 500. Vous risquez quoi? Moi, pour moi, 100 dollars, c'est pas énorme. OK, voilà pour votre information. Ce que moi, personnellement, je vois. Ok, sur cet actif. Maintenant, si on pousse techniquement un peu plus loin, d'accord, si on pousse techniquement un peu plus loin, on va regarder un petit peu. Ok, là j'ai une vague quoi? Là j'ai une vague 1, un retour 2, une vague 3, un retour 4 et une vague 5. Donc on est sur des vagues baissières. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc la 5, potentiellement, elle peut être terminée. On a ici une grande 3 et on a une grande 5 et une petite 1. OK? Donc potentiellement, on a un beau spot technique. OK? Pour aller chercher une hausse. OK? Si j'utilise par exemple ici la vague 1 ici. OK? Et la vague 4 ici. Donc j'ai un target par exemple sur l'inducement. Potentiellement qui peut être sur l'inducement. Ok, on peut même prendre ici cette mèche-là par exemple. Ça donne ici, voilà. Donc ça me donne un target ici sur l'inducement. Donc un fois 10 potentiellement réalisable correctement et potentiellement réalisable facilement. Voilà pour votre information. Je vous le partage sur cette partie-là également. Donc il a cassé, il a créé un lolo. Si on va en daily, donc on voit quoi ici? On voit ici, hop, une descente, une belle réaction haussière. Donc, on est venu chercher ici, d'accord, de cet inducement qui était là. Donc, voilà, ici. Donc, il est venu ici prendre cet inducement. Donc, quand il a pris cet inducement, donc, c'est de l'argent ici. Il est revenu sur un niveau technique, on va dire. Regardez ce niveau-là. Donc, cette baisse ici. Il y avait, hop, ici, un déséquilibre de marché qu'il est venu chercher. Donc, on remarque bien ce petit déséquilibre de marché. Regardez bien. Donc la mèche est venue, hop, rééquilibrer le marché. Il fait, hop, une descente. D'accord? Il peut revenir, bien sûr, dans une zone. On a quoi ici? Un petit déséquilibre de marché ici. Un petit déséquilibre ici. Donc il peut s'arrêter sur ce niveau-là. D'accord? À ce niveau-là ici, on avait ici un price delivery. Et là, regardez bien, le prix est revenu dedans. OK? Donc ici, potentiellement... Si on met ici notre petite ligne ici, donc potentiellement on peut aller chercher cette zone-là de déséquilibre pour revenir rééquilibrer le marché entre 0,44 et 0,40. Donc on peut potentiellement revenir dans cette zone-là, pam, valider et partir en haut. Voilà sur ce, bisous à tous, force à vous tous, voilà pour Jasmine, il y en a qui me l'avaient demandé.
Je voulais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Seed Trading était avec vous. Bisous à tous. Ciao, ciao.